On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. C'est le prophète, en pourparlers avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Ça ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Toujours aucun signe d'elle. Je pense qu'elle n'a pas survécu au crash. Ok, traînons pas. Constantin veut entrer dans ce tombeau avant la nuit. Il cherche le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Mon grec est encore un peu rouillé, mais... ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. Une porte secrète. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Déjà là, il faut que je rentre. Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple, sans relâche, jusqu'à ce qu'ils les rattrapent dans leur oasis cachée. Un passage.
Allez, quoi ? Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. Mon fils, l'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du... Le prophète, exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. J'étais presque. Ils vont forcer le passage pour entrer. Il doit bien y avoir un moyen de rentrer. Thank you.
aussi, papa. Faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être.
Maître, ce que vous dites est impossible. Ils vont réussir à entrer. Maître, je... Maître, les derniers fidèles du prophète se sont...
Viens en bas. Posez les explosifs. À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Jonah ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète ? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, c'est... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ?
Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec qui t'ai-je. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Faire. C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie.